Embarras reçoit sur Alliance 92 le vice-président de la CENI, andonienne Andréa Lazarey. Bonjour à vous. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs de Alliance 92. Alors nous sommes à 3 mois et quelques poussières de semaine de l'élection présidentielle, premier tour 100 ans. Où est-ce que nous en sommes effectivement là, si l'on parle de préparation? Effectivement, on est à 3 mois et quelques jours ou quelques semaines de l'élection présidentielle. Nous sommes dans la phase finale, ou plutôt dans la phase de clôture de l'établissement de la liste d'électeurs et du registre électoral national. La liste d'électeurs et le registre électoral national, c'est le fondement de la réussite de toutes les élections qui vont venir, à commencer par la présidentielle. Ça doit être suivi par les législatives ou les communales, les municipales. Oui, à part la liste d'électeurs et le registre électoral national, il y a aussi la préparation sur le découpage des bureaux de vote, parce que la loi est claire, un bureau de vote doit comprendre au maximum 700 électeurs et doit se trouver à 5 km de distance à vol d'oiseau. À 5 km à vol d'oiseau, ça, c'est pas dit par la loi, mais je me table sur, je dirais, les normes internationales. D'accord. Ouais. Mais quand vous dites découpage des lieux de bureaux de vote, comme également les distances, mais l'on sait très bien que les électeurs ont augmenté. Est-ce à dire qu'on tabule toujours sur les mêmes nombres de bureaux de vote? Où on augmente? Oui, et puis il y a eu aussi la nouvelle région. C'est sûr que ça va augmenter, c'est sûr. Mais à ce jour, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas encore, ça va augmenter jusqu'à quel chiffre. Mais c'est sûr que ça va augmenter parce que le nombre de bureaux de vote dépend du nombre d'électeurs. Et là, il y a eu vraiment augmentation. Il y a eu augmentation. Après nettoyage Bien sûr, après nettoyage. Oui. Après, on dit des doublonnages, après, on dit rectification des anomalies. Donc, il y aura certainement augmentation du nombre de bureaux de vote. D'accord, mais est-ce qu'on peut s'attendre quand même à des chutes d'électeurs ou des électeurs qui ont disparu ou qui surviennent tout d'un coup? Est-ce que vous êtes prêt, juridiquement parlant, si le cas se présente encore, bien que cette liste électorale soit clôturée? Vous voulez parler du taux de participation ou du taux d'inscription? D'inscription d'abord. En nous comparant à la dernière situation, c'est-à-dire au nombre des électeurs durant l'élection présidentielle de 2018, ou pourquoi pas durant la dernière révision annuelle de liste électeurs, c'est-à-dire de révision annuelle de liste électeurs RAL 2021-2022, nous avons eu durant cette dernière RAL 10 800 000 électeurs à peu près. Actuellement, nous avons 11 43 836 électeurs. Donc, il y a augmentation. Il y a augmentation, mais est-ce donc, que... Donc, sur le taux d'inscription, il y a augmentation. Notre prochain combat, c'est pour assurer les électeurs, les citoyens, donc toujours dans la conquête de confiance, leur assurer que la CENI travaille comme il se doit, c'est-à-dire travaille dans la transparence, travaille dans la confiance, et on va essayer de se comporter comme digne de confiance des citoyens, justement pour accroître le taux de participation autant que faire se peut. D'accord. Alors, vous avez dit transparence, confiance. Oui, vous avez. C'est peut-être pour cela que vous avez demandé un budget quand même assez conséquent au début, 80. Au début, nous avons demandé 140 milliards. 140 milliards. 143 milliards d'alliage, oui. C'était un chiffre réfléchi pour... C'est un chiffre réfléchi, Certaines personnes disent que c'est un chiffre très exorbitant, mais je vous affirme que c'est tout réfléchi, c'est détaillé. Il y a les lignes budgétaires, les rubriques qui doivent être présentes dans le budget, dans le plan d'action. Mais vu la situation où notre pays est actuellement, on a essayé de réviser à la baisse. Et vous y êtes arrivé quand même? On a proposé jusqu'à 80 milliards d'arrière. Ouais. Donc, de 143 à 80, c'est quand même... C'est presque la moitié. C'est presque la moitié. Donc, nous avons cédé pour l'intérêt supérieur de la nation et surtout pour la solidarité à l'austérité qu'on vit à Madagascar. Oui. D'accord, mais les rubriques sont toujours là?
Oui, certains rubriques. On a extirpé certains points. On a gardé les stricts minimums, les stricts nécessaires. D'accord. Oui, mais donc vous avez ce budget-là, et pourtant il y a toujours un gap. Il y a toujours un gap. À trois mois, là ? Oui. D'à peu près combien ? Je ne sais pas exactement, mais ce que je peux dire, c'est que la CENI est là pour essayer de tout faire pour que les élections se tiennent, surtout la présidentielle. D'accord, mais tout dernièrement, le système des Nations Unies a fait appel aux autres pays de nous aider à travers ce basket fund. Mis à part cela également, il y a les autres pays qui préfèrent participer d'une autre manière. Tout cela vous aide quand même, non ? Absolument. Par exemple, le Japon a fait un don. Au lieu de nous donner de l'argent, le Japon préfère nous donner en nature. Et tout comme la France, qui va nous donner et de l'argent et certains matériels à utiliser durant le... C'est-à-dire c'est un pays qui parle à au CENI. Oui, il y a la relation bilatérale. Bilatérale, oui. Mais il y a aussi la relation, je dirais, multilatérale. Parce qu'avec les Nations Unies ou avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, on a instauré ce fonds commun que nous appelons Basket Fund. Je pense que c'est au PNUD de faire appel et d'assurer le fonctionnement de ce basket fund. Parce que vous êtes indépendant. Non, j'ai dit ça, ce n'est pas à cause de notre indépendance. Ouais. Mais c'est plutôt par rapport au fonctionnement du basket fund. Le basket fund est géré par le PNUD, mais pas par la CENI. Donc notre indépendance en est une autre chose. Ouais. Si le basket fund est géré par la CENI, c'est à nous de la CENI de mener des plaidoyers, d'activités de plaidoyer ou de lobbying. Ça n'empêche pas que, de notre côté, nous essayons d'assurer des pourparlers à gauche et à droite pour essayer de renflouer le financement nécessaire à la CENI. Oui, alors SADEC vient de passer un constat, ils sont descendus sur terrain. Oui, on avance pour les élections de Madagascar, ils vont même envoyer des observateurs, mais tout cela, ce n'est pas habituel pour la CENI, avoir des observateurs étrangers, malgaches et tout cela, mais la part de responsabilité de la CENI par rapport à cette élection, mis à part toutes ces entités qui vont aider sur terrain. Oui, la SADEC a manifesté leur volonté de participer à l'organisation, à l'observation plutôt, des élections. Il ne faut pas oublier que dans le système d'organisation des élections, c'est l'organe de gestion des élections du pays hôte, c'est-à-dire ici à Madagascar, c'est la CENI Madagascar, qui a le pouvoir d'inviter, parce que sans invitation, même s'ils veulent venir... Il faut être accrédité alors. Bien sûr. C'est ça le... Qui que ce soit. C'est ça les règles. Ouais. C'est ça les règles. Que ce soit les entités qui se disent des droits de l'homme ou quoi que ce soit. Ouais. Ouais. Et l'accréditation, c'est la CENI qui délivre pour les observateurs, tant nationaux qu'internationaux. Alors, toujours si on revient à cette élection, on sait très bien qu'il y a tant de propagande, tant d'élections, et puis... Puis le reste, c'est tout un système, mais est-ce que ce système convient parfaitement par rapport à une élection qui se veut être démocratique ? Puisqu'on sent déjà qu'il y a certaines têtes qui partent déjà en avance. Oui, mais... Et vous ne dites pipé mot, là. Si vous me parlez de la démocratie ou une élection démocratique, vous allez me parler du fondement même de la démocratie, par exemple... L'état de droit, la bonne gouvernance, comme j'ai dit tout à l'heure, la transparence, et la légalité, etc. S'il y a certains prétendants, je préfère utiliser le mot prétendant que candidat, parce que, à ma connaissance, il n'y a que deux qui ont déjà déclaré. Officiellement, oui. Officiellement. Mais je suis sûr qu'il y a pas mal de candidats qui vont se présenter. Donc, s'il y a certains prétendants qui essaient de sillonner Madagascar, pour, je dirais, mener des contacts auprès de la population. C'est tout à fait leur droit, je pense. Mais la question qui se pose, c'est que pourquoi ne donner que 30 jours à la propagande présidentielle ? Pourquoi ne pas étendre en quelques mois, voire en une année, pour qu'il y ait vraiment
Parce qu'on a insisté à cette date par rapport donc au respect de la Constitution, non ? Tout à fait. Mais je voulais parler de l'après-campagne. Donc, je pense que le mot pré-campagne même ne tient pas. Moi, je pense que si, je dirais, l'animation de la vie publique et de la vie politique appartient aux politiciens, voire même aux prétendants, aux candidats, aux futurs candidats. Donc c'est tout à fait normal si tous les prétendants mènent déjà une action de contact, de rencontre auprès de la population. Ça c'est une idée, c'est un principe. Mais du point de vue légal, du point de vue de la loi, du cadre légal, qu'est-ce que la loi dit ? Il y a pas mal de gens qui disent qu'il y a un vide juridique. Et on se plaît dans ce vide juridique. Oui, donc tout en respectant l'état de droit, les principes démocratiques, pour qu'il y ait vraiment une élection démocratique, nous de la CENI, nous allons essayer de collecter toutes les améliorations, toutes les recommandations qui tournent autour du processus électoral, autour de la présidentielle, des législatives, des communales, et collecter ces recommandations et ces améliorations-là, justement pour reformuler un bloc de propositions auprès des législateurs et du gouvernement en vue d'améliorer le cadre légal sur le processus électoral à Madagascar. C'est-à-dire que vous pensez déjà au plus tard, mais on ne s'arrête pas à une élection, si on parle d'amélioration. Oui, bien sûr. La gouvernance électorale, si on veut bien un système électoral vivable, il faut anticiper, il faut être proactif. Parce que rester sur la présidentielle ou sur les communales et les législatives, il n'y aura jamais développement électoral, il n'y aura jamais réforme. Donc, ce n'est pas bien pour notre pays. Mais n'est-ce pas quand même, c'est comme si c'était une expérience à chaque fois les élections, de cette vision-là. Oui, et chaque élection est une expérience. L'expérience, mais comme si c'était un brouillon à chaque fois. Parce qu'on va l'améliorer, on va l'améliorer. Je pense qu'il n'y aura jamais élection parfaite, et à Madagascar ou ailleurs. Donc, il y a toujours de l'imperfection, ou des imperfections. Donc, je pense que tout individu intelligent doit penser à l'amélioration et doit savoir recevoir des feedbacks et des critiques d'autrui. D'accord. Ouais. Alors c'est l'HCC qui déclarera donc que tel candidat, dossier complet, il peut se lancer, c'est bien cela, non ? Normalement, oui. Ouais. La validation de candidature, des prétendants, c'est, ça appartient à l'HCC. D'accord. C'est pas à la CENI. D'accord. Et officiellement, quand cela est déclaré, vous êtes déjà sur terrain pour assurer déjà ? Oui, nous allons essayer de... D'être dans les bureaux de vote, les circonscriptions ? Normalement, le nombre de bureaux de vote... Sera déjà connu en ce temps-là ? Sera fixé le 20 août, normalement, si je ne me trompe pas. Et on sera donc déjà sur terrain pour... Nous n'allons pas attendre la validation de l'HCC pour préparer les choses. Nous avons déjà un plan d'action défini et suivons ce plan. Quand est-ce que le bureau de vote doit être déterminé ? Quand est-ce que la nomination, parce qu'il y a la détermination de lieu et de localité des bureaux de vote, il y a aussi la détermination ou la nomination même des membres du bureau électoral. Quand il s'agit de la localité, on parle de bureau de vote. Quand il s'agit des personnes responsables, on parle du bureau électoral. Donc, les membres du bureau électoral, ça va être rassuré par qui ? Rassurez-nous, est-ce qu'on sera dans le temps, si on a dit tout au début, on est encore dans donc le temps. Donc vous avez ce calendrier bien stricto sensu. Absolument. D'accord. Absolument. Le deuxième tour, s'il y aura deuxième tour, ce sera au mois de... Au mois de décembre, c'est-à-dire le 20 décembre. Le 20 décembre. D'accord, c'est-à-dire que toute l'année, vous serez en chantier, quoi, tout compte fait. Et cela veut dire, pour la CENI, pour ces élections qui vont venir, quels ont été les points les plus sensibles que vous avez pu gérer ? Que nous avons pu gérer. Et qui vous reste à gérer aussi ? La liste d'électeurs. C'est très sensible. Parce qu'on a essayé de sensibiliser, de conscientiser les gens. Et il y a pas mal de partis, pour ne pas dire... Il y a même certains... Réticences. Je dirais grands partis qui ont mené des contre-propagandes, si j'abuse du terme.
contre-propagande à l'encontre de la CENI, que la CENI n'est pas crédible. On vous a secoué. Oui. L'activité de la refonte ne marche pas comme il faut, etc. Ne suivent pas les normes. Donc tout ça, ça a quand même eu impact auprès des citoyens. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle certains citoyens ne se sont pas inscrits. On a essayé quand même de gérer les choses. On est là. Mais quelle est la différence entre par rapport aux anciennes élections et celle-là où vous avez pu avancer? Vous avez trouvé solution? Sur quel point? La différence? Oui. Vous voulez comparer la présidentielle que nous allons organiser d'ici peu et la dernière présidentielle, ouais. C'est ça? Ok. Durant la dernière présidentielle, c'est-à-dire la présidentielle de 2018, on a utilisé la liste d'électeurs issue de la révision annuelle de liste d'électeurs. Donc il y a déjà eu une liste de base et juste ajouter les nouveaux détenteurs de carte nationale d'identité et extirper les décédés, par exemple. Mmh. Donc il y a eu rajout et retranchement, tout simplement. Si nous parlons de l'actuelle élection, de la prochaine présidentielle, donc, nous n'avons pas utilisé une liste de base, mais nous avons fait une table rase, nous avons parti à zéro nombre d'électeurs et nous avons constitué l'actuelle liste qui comporte 11 043 836 électeurs. Ça fait une grande différence. Parce que là, déjà, la crédibilité de la liste assure la crédibilité de la CENI. Et votre existence. Et surtout la crédibilité de la présidentielle de 2023. C'est un défi. Oui, c'est un défi. Bah écoutez, 3 mois après, on y revient toujours là-dessus, monsieur le vice-président. On vous souhaite bon vent et en tout cas, on espère Merci. Avoir des informations, étant donné que c'est une élection quand même cruciale pour le tournant de la vie d'un pays. Merci à vous, c'était votre embarras. Merci.